Yo yo, ça qu'a fait, c'est Guto. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans ce nouveau tuto, je vais vous montrer comment vous pouvez faire un beat zouk compas sur FL Studio. Vous allez voir ça. Bref, vous qui êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la notification. On va commencer tout de suite avec la vidéo. Voilà, là, du coup, ce qu'on va faire, on a déjà géré notre BPM à 80. Et là, les amis, on a déjà une petite mélodie avec un son de piano. Je vais vous faire écouter ça. Et puis après, on va travailler là-dessus. Wesh les amis, ce qu'on va faire maintenant, on va ajouter un son de bloc. Pour ça, on va utiliser un VST de base sur FL Studio. Alors voilà, c'est Flex. Alors ici, on va cliquer sur Mobile Synth Block. Voilà ce son-là. Ce qu'on va faire, on va enlever le delay. Ce qu'on va faire, on va faire quelques accords. Du coup, on va enregistrer ça. Voilà, on va dupliquer ça et on va directement dans le mixeur. Là, c'est très bien. Ce qu'on va faire maintenant, on va ajouter un son de Nexus. Là, c'est dans Arpeggios. Et on va cliquer sur AR Clockwork. On va activer le delay. Et on va réduire le feedback. Là, du coup, on va enregistrer ça. Là, on a déjà un bon début. Ce qu'on va faire maintenant, on va ajouter quelques drum kits. D'abord, on va ajouter un son de rime. On va ajouter un son de tom. Du coup, ce qu'on va faire, on va ajouter notre son de kick.
Du coup, ce qu'on va faire, on va essayer d'ajouter un son de guitare. Je vais vous montrer. Du coup, on va enregistrer ça. Voilà, on va directement dans le mixeur. Voilà, on a déjà ça, c'est un très bon vibe. Ce qu'on va faire maintenant, on va ajouter un son de Purity, un son de Bell, je vais vous montrer. Voilà, on va cliquer sur Preset, GM Normal, et là vous voyez Brightness. On va dupliquer ça. On va directement dans le mixeur. Du coup, les amis, ce qu'on va faire, on va ajouter un son de guitare Watcher. Je vais vous montrer.
Du coup, ce qu'on va faire, on va descendre ici. Ouais, c'est pas mal. Ce qu'on va faire, on va copier ça. Voilà les amis, on a ça. Ce qu'on va faire maintenant, on va ajouter un son de cymbales. Là, c'est très bien. Ce qu'on va faire maintenant, on va ajouter notre basse. On va dupliquer ça. Ce qu'on va faire maintenant, on va nettoyer notre basse et on va compresser un peu. Voilà les amis, on a déjà fait un bon boulot aujourd'hui. Ce qu'on va faire maintenant, on va essayer d'ajouter un petit synthé dessus pour voir ce que ça va nous donner. Et puis après, on va faire quelques arrangements au niveau du projet. Je vais vous laisser écouter ça par vous-même. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est bon ou pas, si c'est chaud les amis.
Bref, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et de commenter la vidéo. Merci à vous les amis d'avoir regardé la vidéo. On va retrouver dans une toute nouvelle vidéo.